frontière. Bah alors les gars, c'était quoi cette chute, oh? Bah, je suis où là? Incroyable cette transition, hein. Bon, salut les gars, bienvenue dans un nouveau mini-vlog. Ça fait extrêmement plaisir d'être là. Cette semaine, il s'est passé des trucs de fou. J'ai enfin réalisé un projet qui m'a pris au moins 7 mois de réflexion et 9 mois de bricolage entier. Cette semaine, je suis parti avec mon van que j'ai aménagé moi-même. Je suis quelque part en Europe. Et si tu veux savoir où je suis et ce que je fais, eh ben regarde cette vidéo. Il s'est passé des trucs assez cool durant cette semaine de voyage. Voilà, en tout cas, cette vidéo marque aussi le début d'une série de mini-vlogs qui va être, j'espère, incroyable. Bon voilà, je te souhaite un bon visionnage. Ok, toutes les affaires sont prêtes, c'est l'heure du grand départ. Mon premier coucher de soleil sur la route. Du coup, bah, je vais au Portugal. Je pars un mois là-bas pour essayer un peu le van, voir ce qui va pas, ce que je pourrais améliorer aussi. Donc je vous embarque avec moi pendant cette première semaine de voyage et de découverte. Je pense qu'il y aura pas mal de choses assez intéressantes et cool à faire. C'est sûr, je vais faire du surf, je vais essayer de faire du vélo, de la rando, et puis tout simplement découvrir des nouveaux paysages en fait, parce que le Portugal ça a l'air vraiment magnifique, et en van ça a l'air encore plus incroyable à vivre. Donc là j'en ai à peu près pour 15 heures de route, mais que je vais diviser en plusieurs jours, donc quasiment presque 5 jours. Donc là il est 20h30 et je vais pas tarder à trouver un endroit où me poser pour la nuit et manger, voilà. Et bah voilà mon spot pour la nuit. Près d'un champ de blé, là, ça va être nickel. Un peu tout seul, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Première nuit passée dans ce magnifique spot. Il est temps maintenant de reprendre la route pour encore des heures et des heures de route. Ok, on est au troisième jour de conduite. Enfin, ce qui est hyper pesant, c'est la chaleur. Of my soul, I tell myself not to lose control. I'll take it slow, but it's hard to do when you're a lion like me and a lion like you. You got the hands that I wanna hold. You lack the room to the house of my soul. Et voilà, je viens de me poser dans un coin mais incroyable sur le bord de la route. C'est comme si c'était un peu paradisiaque quoi, c'est fou. En plus avec le coucher de soleil, les lumières sont incroyables. Il y a une petite colline là-bas avec des éoliennes. Je vais essayer de prendre mon vélo, grimper un peu là-haut, faire voler le drone peut-être. En tout cas profiter de la vue du coucher de soleil, ça va être magnifique. Incroyable, je me suis senti pousser des ailes, je lève la main parce que je suis genre wouh, c'est incroyable. Et puis du coup mon drone je le laisse complètement aller, il se prend une branche et il finit dans le talus. Je termine la session drone là-dessus, j'aimerais tellement avoir 1000 autres batteries et que le soleil reste comme ça pendant je sais pas combien d'heures. Bon bah voilà, maintenant je vais admirer le coucher de soleil et passer un agréable moment quoi. Ah là là, c'est incroyable cette vie. Bonjour, il fait assez froid mine de rien la nuit et vu que le son... Oh, il y a des animaux là. Oh, il y a une biche. Je vais petit déjeuner et ensuite on va se mettre en route hein, parce qu'il nous reste encore des kilomètres jusqu'au Portugal. Donc c'est parti. Allez, Portugal, me voilà. J'arrive dans environ 6 heures. Mais pourquoi pas monter une affaire qui Galia Conakry, c'est la même. Et ça y est, je suis au Portugal. Je viens de passer la frontière. C'est pas, et ça c'est pas fini. Et bah voilà, je viens d'arriver au bord de l'océan. Et là je vais aller voir un peu qu'est-ce que ça donne, les vagues, tout ça. Mais je suis trop content d'être arrivé, il fait frais, il fait bon là. Oh, c'est trop agréable. It's crazy, I'm crazy.
Bon, alors il n'y avait pas les conditions pour surfer. Je suis quand même resté pour me baigner un petit peu et profiter de l'eau, me faire un plouf. Donc du coup, je suis rentré pour faire des choses un peu plus intéressantes et tester un petit peu ma machine à laver. En gros, j'ai un petit système de poche, voilà, comme ça, où je vais mettre mon linge dedans et je vais pouvoir mettre du produit aussi à la main, lave-main. Je vais frotter tout ça et ça devrait laver. Bien noir. Ça a bien lavé, je pense. Hein. Et puis en guise d'étendoir, je me suis fabriqué un petit portant en bois encore, parce que j'adore le bois, que je vais venir installer dans la douche en fait. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu une grande douche, c'est parce que je savais que je voulais m'en servir en tant que étendoir, notamment pour sécher des affaires en hiver, où bah dehors c'est plus compliqué. Bon voilà, maintenant que j'ai terminé un peu cette petite activité, et bah je vais attendre que la journée passe en espérant que le vent tombe et que je puisse aller surfer ce soir, mais c'est pas gagné. Autrement, si ça surfe pas, et bah je vous dis à bientôt pour le prochain vlog, parce que la suite ce sera vraiment les activités que je vais pouvoir faire au Portugal. Bah la vraie van life commence quoi, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer de vous faire des vidéos toutes les semaines et je vais essayer de varier un peu les activités aussi, un peu de surf, du vélo, vous montrer les beaux paysages toujours. Surtout abonnez-vous pour manquer aucun épisode. Comme d'habitude, dites-moi si ce format ça vous plaît, laissez un petit commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Et moi ça me motive énormément pour continuer à faire ce genre de petites vidéos. Et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, ciao! It's crazy how my system's focused.